À l'Église de Portail en ligne. Je me nomme Monique et je fais partie de l'équipe pastorale. J'œuvre principalement au site de Laval car notre Église est représentée sur quatre sites différents, dont Laval, Terrebonne, Saint-Eustache et la BTB. Très bientôt, Dieu voulant, un site Portail ouvrira ses portes à Montréal-Nord. Et merci de prier avec nous pour l'ouverture prochaine de ce nouveau site. Notre mission est d'aider tout le monde à découvrir que tout a toujours rapport avec Jésus. Alors, si vous désirez en savoir plus ou connaître nos horaires et emplacements, visitez notre site internet au www.egliseportail.com. Sachez que chaque mois, notre église offre plusieurs activités et événements spéciaux. Tout d'abord, nous nous réjouissons avec les membres du site de Saint-Eustache qui vont célébrer leur cinquième anniversaire le 2 avril prochain. On est tellement reconnaissant au Seigneur pour ces cinq belles années. Dans sa grâce. Maintenant, le 7 avril prochain, notez que nous aurons des rassemblements pour le Vendredi Saint à Laval et Terrebonne. Alors, pour Laval, deux réunions, 16h30 et 19h30, et Terrebonne, une en soirée à 19h30. C'est une super occasion pour inviter des parents, des amis et entendre la bonne nouvelle de Jésus. En ce qui concerne nos activités hebdomadaires, le groupe des ados, Accès, et Portail Jeunes Adultes se rencontrent à tous les vendredis soirs, 19h30 au site de Laval. Alors, pour les détails, vous pouvez consulter leur page Facebook respective. De nombreux petits groupes euh, se réunissent dans les foyers pour partager et prier ensemble. Alors, pour connaître où se situe un groupe près de chez vous, écrivez à groupes au pluriel, @église .com. Finalement, nous partageons la bonne nouvelle de Jésus chaque semaine à travers nos messages. Alors, sans plus tarder, écoutons le message d'aujourd'hui. Bonjour tout le monde, merci d'être là. Bienvenue à cette conclusion de notre série de huit messages sur le livre d'Esther qui se nomme Un Dieu pour un temps comme celui-ci. C'est une expression qui est tirée justement du livre d'Esther où elle est parvenue à la royauté, va lui dire Mardochée, pour un temps comme celui-ci. Et alors qu'on voit la fin, je, je, je veux dire immédiatement que Esther n'est pas Cendrillon. Après euh, une jeune croyante qui devient finalement la reine du roi le plus puissant de l'époque, qui, euh, et de manière providentielle, va euh, contrecarrer un décret d'extermination du peuple de Dieu, on pourrait penser que c'est la délivrance. que, Et comme toutes les belles histoires d'amour se terminent avec ils se marièrent et eurent beaucoup de problèmes. Non, elle n'a pas eu beaucoup de problèmes. Oui, en fait, il y a eu beaucoup de problèmes mais il n'y a pas eu beaucoup d'enfants. Et ce qu'on voit, ça se termine dans le sang, ça se termine dans le meurtre, et il y a une festivité qui va venir, qui va jaillir de tout ça. Et lorsqu'on lit le texte, on peut être un peu perplexe. D'ailleurs, au portail, il y a une dizaine de prédicateurs et euh, on répartit les portions. Et certains pasteurs priaient pour ne pas prêcher le texte d'aujourd'hui. Et d'autres qui, malheureusement, le sort est tombé sur eux sont venus voir en me disant Gaétan, qu'est-ce que je fais avec ce texte-là? Maintenant, une des choses qui est réconfortante avec le texte qu'on va voir aujourd'hui, c'est que la Bible est le livre le plus honnête jamais écrit. La Bible n'embellit pas ce qui s'est passé. La Bible ne dit pas ce qui aurait dû se passer. Quelquefois, la Bible raconte froidement ce qui s'est passé et c'est ce qu'on va voir. Et le titre de la prédication ce matin, en conclusion du livre d'Esther, c'est Un Dieu pour ce temps de non-pardon. Un Dieu pour ce temps de non-pardon, je t'invite à ouvrir avec moi dans Esther 9. Et contrairement à mon habitude, je vais lire l'ensemble du texte biblique aujourd'hui. Je vais te l'exposer, je vais l'expliquer. Euh, tu vas comprendre qu'il y a des choses dans le texte qui sont justifiables. Le peuple de Dieu fait des choses qui sont justifiables. Le peuple de Dieu de l'époque a fait également des choses qui, des choses qui sont inexcusables. Donc, permets-moi, donne-moi le temps de bien t'expliquer le texte. Et après, on va voir. Où est la bonne nouvelle de Jésus là-dedans? Donc, je te rappelle qu'un décret d'extermination sur le peuple de Dieu, Esther va établir un nouveau décret qui va contrecarrer ce décret permettant au peuple de Dieu de se défendre. Maintenant, voici ce que dit la parole de Dieu. Esther, 9e chapitre. Le douzième mois, qui est le mois d'Adar, donc selon le calendrier hébraïque. Le treizième jour du mois, quand l'ordre et les dits du roi devaient entrer en vigueur, le jour où les ennemis des Juifs espéraient se rendre maîtres d'eux, par un retournement de situation, ce furent les Juifs qui se rendirent maîtres de leurs adversaires. Petite parenthèse lorsqu'on voit Juifs ici, à partir de l'exil, donc 500 ans Jésus-Christ, lorsque le peuple de Dieu est amené dans une terre étrangère, on parle du peuple de Dieu comme étant les Juifs. Ça vient du fait qu'ils viennent de la tribu de Juda. Peut-être que tu connais la tribu de Dana. Ça, c'est une autre chose. C'est la tribu de Juda. Et ce que tu vois ici, c'est beaucoup plus que l'histoire des Juifs. C'est l'histoire du peuple de Dieu. C'est ton histoire, c'est mon histoire. Vous tu sais, les Québécois, notre histoire n'a pas commencé en 1534, quand Jacques Cartier a découvert le Canada. Euh, notre histoire a des racines dans l'histoire française. Lorsqu'on parle de Charlemagne, à l'époque médiévale, 800 après Jésus, mais ben c'est aussi l'histoire des Québécois. Et de la même manière, notre histoire n'a pas commencé il y a seulement 500 ans, l'histoire des chrétiens n'a pas commencé seulement il y a 2000 ans. Lorsqu'on voit dans l'Ancien Testament, c'est notre histoire. Et on parle de l'histoire du peuple de Dieu. Et on voit que le peuple de Dieu a des adversaires et des ennemis. Dans le texte, une dizaine de fois, on parle de ceux qui se sont levés, qui sont ennemis du peuple de Dieu, ennemis du bien. Verset 2. Dans les villes de toutes les provinces du roi Assyrus, les Juifs se rassemblèrent. Pour s'en prendre à ceux qui cherchaient leur malheur, personne ne put tenir devant eux car la terreur des Juifs les avait saisis. Tous les princes des provinces, les satrapes, les gouverneurs, les fonctionnaires royaux soutenirent les Juifs car la terreur de Mardoché les avait saisis. En effet, Mardoché était devenu un grand du palais. Sa renommée se répandait dans toutes les provinces et l'importance de la personne de Mardoché grandissait. Verset 5. Ainsi les Juifs frappèrent tous leurs ennemis à coups d'épée. Ils les tuèrent, ils les firent périr, ils les traitèrent, ils traitèrent leurs adversaires à leur gré. Et tu vois ici, il y a une sorte de Hunger Game de l'Antiquité, euh, la purge de l'Antiquité, où euh, les, gens, les gens du royaume veulent tuer les Juifs. Maintenant, il y a un renversement, c'est le peuple de Dieu qui tue les non-croyants. Et tout ça prend place, et, et je veux juste te rappeler que ce qui prend place ici, Nulle part on dit que Dieu prend plaisir dans ce qui prend place dans le texte. Ézéchiel 33, 11 dit Dieu ne désire pas la mort du méchant, mais il désire qu'il se repente et qu'il change sa conduite. Lorsque tu vois des scènes comme ça dans la Bible, Dieu ne prend jamais plaisir là-dedans. Encore une fois, ça ne dit pas ce que Dieu a ordonné, ça ne dit pas ce, qui pas ce qui devrait se passer, ça dit ce qui s'est passé. On continue. Verset 6. Rien qu'à la capitale, les Juifs tuèrent et firent périr 500 hommes. Je vais aller un petit peu plus loin. Et là, après ça, on a du verset 7 à 9, on a 10 personnes, les dix fils d'Aman qui sont tués. Je reprends le verset 10. Les 10 fils d'Aman, fils de Hamadeta, adversaire des Juifs, furent tués. Toutefois, on ne se livrait pas au pillage. Le jour même, le nombre de tués à Suse, la capitale, parvint au roi. Et ce qu'on voit ici également... C'est que quand même, le peuple de Dieu, les Juifs vont se retenir. Dans le décret, ils pouvaient tuer tout le monde, faire prendre le butin. Maintenant, ça dit qu'ils ont seulement tué les ennemis qui les attaquaient. Donc, c'est de l'autodéfense. C'est seulement des hommes. Puis, ils n'ont pas pillé, il n'y a pas de pillage. Pourquoi? Parce que le but, c'est n'est pas s'enrichir, c'est seulement de préserver le peuple de Dieu. Parce que je te rappelle que si le peuple de Dieu, à ce moment-là, est exterminé, il n'y a pas de Jésus, il n'y a pas de toi, il n'y a pas de moi, il n'y a pas de portail, il n'y a pas d'église, il n'y a pas de bonne nouvelle, il n'y a pas de grâce, il n'y a pas de Crucifixion. Donc, ce qui prend place ici est fondamental. Et on voit ici que les fils d'Aman vont être tués. Maintenant, régulièrement dans le livre d'Esther, on parle de d'Aman l'agagite. OK, reste avec moi. C'est important que tu comprennes que le conflit qui est là est un conflit spirituel qui dépasse le cadre d'Esther. Pourquoi Aman est appelé l'agagite? C'est-à-dire son ancêtre, c'est Agag. Si tu connais ta Bible, tu sais que Agag, c'est un roi amélicite, le roi des amélicites. Avec lequel s'est compromis le premier roi d'Israël, Saül. Saül devait faire la guerre. Il y avait un jugement sur les Amalécites. Pourquoi Parce que dès que le peuple de Dieu est sorti d'Égypte, la première nation a les, les attaquer à vouloir exterminer le peuple de Dieu, c'était les Amalécites. Et Dieu a mis un jugement sur la méchanceté des Amalécites. Et le roi Saül, ça a été sa perte. Il a fait un compromis. Donc, il a laissé, Agag a survécu, donc, temporairement. Et en fait, ce qu'on voit ici, c'est des années plus tard, le compromis de Saül revient hanter le peuple de Dieu. Et en fait, ce qui prend place ici, c'est un conflit qui est beaucoup plus grand. C'est un conflit entre le serpent et Jésus, entre le diable et le messie à venir, qu'on voit tout au long de la Bible. Il y a ce conflit qui dépasse. Le cadre d'Esther. Quand tu regardes la guerre en Ukraine, pourquoi est-ce que tu as la guerre en Ukraine, mais pourquoi est-ce qu'on parle des Chinois, on parle des Américains? Parce que les guerres sont instrumentalisées par des puissances. Ce qu'on voit ici, il y, y a un conflit entre Mardoché et et Aman, un descendant d'Agag, qui est encore le même conflit qu'il y Saül et Agag, entre Israël et les Amalicites, qui est le même conflit entre le diable et Jésus. Ici, ce que tu vois, c'est un conflit régional, mais qui a des répercussions qui reflètent une guerre spirituelle beaucoup plus grande. Je continue. Verset 12. Le roi dit à la reine Esther, à Sus, la capitale, les Juifs ont tué et fait périr 500 hommes. Et les dix fils d'Aman, quauront ils fait dans le reste des provinces royales Mais quelle est ta demande Elle te sera accordée. Quelle est ta, encore ta requête Elle sera exaucée. Et regarde la belle Esther ce qu'elle répond. Esther répondit s'il plaît au roi qu'il soit permis aux Juifs de Suse d'agir demain comme aujourd'hui et que l'on parle les dix fils d'Aman à la potence. Ok, wow. Pause. Esther a un jour de massacre. Maintenant elle demande un deuxième jour de massacre. Et quand je dis la Bible est le livre le plus honnête jamais écrit, la Bible ne va pas embellir les fameux héros bibliques. On voit que Esther, très sensuelle, on voit ça au début, c'est pas pour rien qu'elle devient la, la, la reine, elle gagne les faveurs du roi, mais c'est également une reine brutale, sanglante. Et la Bible n'est ne, ne, pas timide à démontrer les failles et les péchés. De ce que nous considérons comme des héros bibliques. Pourquoi? Parce que toi et moi, on est sauvés par grâce, mais on lutte encore avec le péché. Et là, ce qu'elle demande, c'est de, de crucifier, hein? c'est pas pendre littéralement en hébreu, c'est suspendre au bois, c'est de crucifier les fils d'Avante qui sont déjà morts en passant. Pourquoi? Parce que lorsque tu suspends, lorsque tu, tu pends quelqu'un au bois, c'est un signe de malédiction, on le veut ensemble la semaine dernière. Et en passant, les Romains ont hérité de la crucifixion des Perses, c'est de là que ça part. Donc tu vois que Esther non seulement va les tuer, elle demande un deuxième jour de massacre. Alors elle prend les cadavres et elle va les clouer au bois pour démontrer que voici ce qui qui mène ici. On continue. Les Juifs de verset les Juifs de ceux se rassemblèrent donc aussi la quatorzième jour. Donc je reprends, excusez-moi. C'était au Roi 14. Le roi. Dit de faire ainsi, on en publia l'idée à suse et les dix fils d'Aman furent pendus. Et les Juifs de suse se rassemblèrent donc aussi le 14 jour du mois d'Adar et tuèrent 300 hommes sans se livrer au pillage. Donc après 500, il y en a 300. On continue. Les autres Juifs, ceux des provinces royales, s'assemblèrent pour défendre leur vie et se garantir comme contre leur ennemi. Ils tuèrent 75 mille de leurs adversaires sans se livrer au pillage. Il y en a eu 500, il y en a 300, il y en a 75 mille morts, ça dégénère. Le treizième jour du mois d'Adar, en repos, le quatorzième, ils en firent un jour de festin et de joie. Hein? On a tué 75 800 personnes, faisant un party. On reprend. On va sauter le verset 18 à 21. Allons verset 22. À l'exemple de ces journées où les Juifs s'étaient garantis contre leurs ennemis, en ce mois où leur chagrin s'était changé en joie et leur deuil en fête, ils devaient en faire des jours de festin et de joie où chacun envoyait des cadeaux à son voisin et des dons aux pauvres. Les Juifs firent une tradition de leur célébration initiale et des consignes de Mardoché, car Amman fils à la gugite adversaire de tous les Juifs, avait projeté de faire périr les Juifs. Écoute bien, il avait jeté le pour, c'est-à-dire les sorts. Un hein, pour qui est un mot qui veut dire sort. On se rappelle que c'est comme ça, hein, il a jeté le sort va, quand il était pour exterminer le peuple de Dieu. Donc il avait jeté le, le pour, le sort pour les tourmenter, les faire périr. Mais lorsque se présenta devant le roi, celui-ci ordonna par écrit. Que le mal qu'il avait projeté contre les Juifs retombe sur sa tête et qu'on le pende à la potence ainsi que ses fils. C'est pourquoi on a appelé ces jours-là pourim, d'après le mot pour, ainsi en vertu de tous les événements rapportés par cette lettre, de ce qu'il avait vu, de ce qu'il leur était arrivé, les Juifs instituèrent une tradition irrévocable pour eux, pour leur descendance et pour ceux qui se joindraient à eux. On célébrerait ces deux journées selon le mode prescrit au temps fixé, d'année en année, on garderait le souvenir et la célébration de ces journées de génération en génération dans chaque famille, dans chaque province, dans chaque ville. Ces jours de Purim sont irrévocables chez les Juifs. Leur souvenir ne se perdra pas chez leurs descendants. Et terminons avec le verset 32. L'histoire d'Esther institue le rituel de Purim. C'est pourquoi elle est écrite dans ce livre. Et on voit suite à ces massacres qui amènent une délivrance. On institue une nouvelle fête, une fête que Dieu n'a pas ordonnée. Ce n'est pas une des sept fêtes qu'on retrouve dans Lévitique. C'est une nouvelle fête, une fête spontanée. Et on ne célèbre pas le massacre, c'est le lendemain. On célèbre le repos que le peuple de Dieu a de ses ennemis. Maintenant, quand tu regardes ça, conclusion. Qu'est-ce qu'on fait avec ce texte-là? C'est la première fois que tu viens un message du portail, tu dis Waouh! C'est ça votre prédication! Qu'est-ce qu'on fait avec ce texte-là? Si tu n'as pas de bonnes règles d'interprétation biblique, tu ne sais pas quoi faire avec ce texte-là. D'ailleurs, même souvent, ce texte est mal interprété. En 1993, il y a un homme qui est arrivé, un juif qui est arrivé avec un, un arme automatique. Il a tiré sur 700 Palestiniens. Donc, ce qu'on a appelé le massacre du tombeau des patriarches. Il y a eu 29 tués, 125 blessés. Et quand on a fait une enquête, on a réalisé que c'était le jour des Pourim, du pour et le, le, précédemment, il était à la synagogue et lui a entendu l'histoire qu'on vient de voir, puis s'est dit Dieu me demande d'aller tuer du monde. Dieu me demande d'aller tuer du monde qui ne partagent pas ma foi. Tu as besoin d'avoir des bonnes règles d'interprétation. Il y a quatre règles d'interprétation biblique. On interprète l'ancien par le nouveau. Pour comprendre ce que ce texte veut dire aujourd'hui, tu dois aller dans le nouveau. On interprète tout dans la Bible à la lumière de l'œuvre de Jésus. Tu dois regarder qu'est-ce que Jésus dit de nos ennemis pour comprendre ce texte-là. La Bible dit on interprète, encore une fois, la Bible par la Bible. On interprète ce qui est obscur par ce qui est clair. Pour comprendre ce texte obscur, tu dois aller dans ce qui est clair. Vous savez, lorsqu'une rose se développe, il vient un moment donné où tu as seulement une tige avec des épines. Il n'y a pas un homme sur la terre, du moins j'espère, qui va offrir seulement une tige avec des épines. Pourquoi? Parce que la rose n'est pas totalement développée. Et ce qu'on voit ici, c'est une tige avec des épines. L'histoire du salut n'est pas encore totalement développée. Et c'est pourquoi Jésus va dire que tout l'Ancien Testament a un rapport avec lui. Tu as besoin de comprendre comment Jésus apporte une meilleure solution que ce qui prend place ici. Et c'est ce que nous allons voir ensemble. Parce qu'alors que les fils d'Aman sont, sont crucifiés, Jésus a été crucifié pour nous. Alors qu'Esther et Mardoché tentent de renverser les dix de morts, Jésus a crucifié, a cloué les dix morts contre nous. Et alors qu'on voit l'ennemi ici qui veut tuer, qui veut voler, qui veut dérober, Jésus est venu afin que ses brebis la vie, qu'elle ait en abondance. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ce texte-là? Ben, premièrement, Jésus nous enseigne la meilleure façon de traiter nos ennemis. Jésus nous enseigne une meilleure façon de traiter nos ennemis. Alors que ce texte parle de comment le croyant doit délier avec ses ennemis, regarde ce que Jésus a dit. Moi, je vous dis à vous qui écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. C'est qui ton ennemi? Ton ennemi, c'est une personne qui veut te nuire ou qui te fait du mal. Et si tu es un être humain normal, Probablement que tu en as rencontré deux, trois dans ta vie. Un ennemi, ça peut être un patron. Un ennemi, ça peut être un collègue, ça peut être un employé. Un ennemi, ça peut être un professeur. Peut-être un pasteur qui t'a fait du mal. Ça peut être un voisin, ça peut être un ami, ça peut être un parent, un frère, une sœur. ça peut être un conjoint, ça peut être un enfant. Ça peut être quelqu'un qui, le dimanche matin, qui te côtoie, un chrétien. Qui est ton ennemi? Et ce qu'il y a de fascinant avec les ennemis, c'est qu'on n'a pas besoin de les chercher très, très rapidement. Au moment où je te pose cette question, qui t'a fait du mal dans ta vie? À qui est-ce que tu. Lorsque tu penses que cette personne-là, il y a un sentiment aigre qui monte dans ton cœur. L'ennemi est facile à trouver. Les gens qui t'ont offensé sont faciles à trouver. Les gens à qui tu dois pardonner sont faciles à trouver. Tu sais, nos ennemis, c'est comme un, un cadavre qu'on jette dans le lac et remonte à la surface rapidement. Et souvent, il nous arrive des situations, a des gens qui nous font du mal, on avance, puis on veut comme on, on jette nos, le, nos ennemis, on jette l'offense, on jette le péché dans le lac, mais dans un moment comme celui-ci, ça remonte très, très, très rapidement. Et la question que je te pose, qu'est-ce que tu ressens face à ceux qui te font du mal? Qu'est-ce que toi, tu leur fais? Qu'est-ce que tu dis d'eux? Est-ce que tu pries pour eux? Il hein, y a une dame qui euh, priait, puis très amère contre son ex, son ex-mari. Puis dans la prière, Dieu lui dit, c'est pas dans la Bible, non pas ça, cherche pas ça, OK? Dieu lui dit, « Demande-moi ce que tu veux, mais sache que je vais donner le double à ton ex. » Wow! « Demande-moi ce que tu veux, puis je vais donner le double à ton ex. » Et là, elle réfléchit. Puis elle dit, « OK, Seigneur, j'ai trouvé ma requête. Fais en sorte que je sois à moitié morte. » Comment te comportes-tu face à tes ennemis? Deuxième chose, Jésus s'attend à ce que les chrétiens agissent différemment que les non-chrétiens. Voici l'enseignement de Jésus qui continue en passant. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quel gré vous en sera-t-on? Les pécheurs aussi aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien, quel gré vous en sera-t-on? Les pécheurs aussi le font autant. Donc Jésus dit. Un chrétien devrait se comporter différemment face à ceux qui lui font du mal qu'un non-chrétien. Ah, on voit dans le texte biblique que le peuple de Dieu est moins pire que les païens. Mais être moins pire n'est pas le standard du croyant. C'est pourquoi Jésus dit précédemment si votre justice ne se passe pas celle des pharisiens, vous n'êtes pas mieux. Vous savez, souvent on se compare. Puis on dit en tant que chrétien, je suis moins pire que les non-chrétiens. Oui, mais. Tu te compares à qui? Est-ce que tu te compares à des pécheurs qui n'ont pas, pas de standard de la parole de Dieu ou est-ce que tu te compares à Jésus? Ah, on se compare aux mauvaises personnes. C'est comme si moi je m'en vais dans une RPA, une résidence pour aînés, et je vais voir la grand-maman de 87 ans sur son fauteuil roulant, puis je lui dis Je te défie, je suis convaincu, je suis convaincu, qu'on fait une course, puis je cours plus vite que vous. complètement ridicule. Et lorsqu'on regarde à des non-chrétiens et on se compare, on compare notre comportement à des non-chrétiens pour en est moins pire, t'as pas la bonne comparaison. Voici ton standard, pas la culture. Pourquoi Parce que la Parole de Dieu enseigne un chrétien devrait se comporter différemment parce que un cœur régénéré déracine le péché d'amertume. Un des plus grands fléaux. Des croyants, c'est l'amertume. Vous savez, beaucoup, les, les chrétiens, si tu es chrétien depuis des années, tu es assez intelligent pour savoir qu'en tant que chrétien, il y a des choses que tu ne peux pas dire, des choses que tu ne peux pas faire. De l'extérieur, tu te contrôles. Mais le cœur est rempli d'amertume. Alors que la parole de Dieu dit que Jésus venait changer ton cœur, voici ce qu'Hébreu 12, versets 14 à 15 dit. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume ne produise de rejetons et ne cause du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Malheureusement, il y a plusieurs chrétiens qui sont infectés par des racines d'amertume. Pendant des années au Québec, on utilisait l'amiante comme isolant. D'ailleurs, ah, même il y en avait dans les, les, les gants de four, les mitaines de four, dans les maisons. Mais on s'est rendu compte que l'amiante, oui, protégeait du froid, mais l'amiante est du chaud, donc elle est un protecteur naturel. Mais on s'est rendu compte que l'amiante était toxique. Donc, que l'élément qu'on pensait qui nous protégeait pouvait nous infecter. Lorsque quelqu'un pêche contre toi, le cœur humain veut se protéger. C'est normal. On n'aime pas souffrir. On se protège. Malheureusement, souvent, cette protection, donc on, on se ferme, vient nous infecter. Et on entretient de l'amertume. La Bible parle de racines d'amertume qui poussent, qui amènent du trouble. Pourquoi? Parce que ça part toujours dans ton cœur. Ça part toujours dans ton cœur. Le problème de l'amertume, c'est qu'on l'entretient. On l'entretient. On, On arrose la plante. Hein, tu te réveilles la nuit, puis tu penses à ça, puis tu y penses, puis tu mijotes, puis tu rumines, puis tu rumines, puis tu rumines. Qu'est-ce que tu fais? T'arroses, t'arroses, et l'amertume va de plus en plus s'enraciner dans ton cœur. Et comme tout ce qui enracine racine va produire du fruit, il va produire quelque chose, un fruit toxique. Puis à un moment donné, il y a une parole qui sort, des actions qui partent, ça empoisonne ta vie. Alors que Jésus est venu te donner un cœur nouveau et l'antidote ultime contre l'amertume, c'est que les croyants, nous avons un cœur nouveau. C'est pourquoi la Bible dit Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Et après ça, on parle de la grâce. Pourquoi? Qu'est-ce que l'auteur des Hébreux nous dit? L'auteur des Hébreux, écoute-moi bien, dit En tant que chrétien, tes relations, la manière que tu gères l'offense reflète ton degré de sanctification. Et ta sanctification procède de ta régénération. Ça veut dire que quand tu nais de nouveau, tu as un cœur nouveau qui amène de nouveaux comportements, qui te permet d'avoir de nouvelles relations, un nouveau standard de relation. Et c'est pourquoi Jésus s'attend que les chrétiens ne se comportent pas comme les non-chrétiens. Et la Bible nous enseigne également que notre véritable ennemi est spirituel. On connaît tous Ephésiens 6,12 qui dit qu'on n'a pas à lutter contre la chair et le sang, mais le chrétien, lorsqu'il regarde aux ennemis autour de lui, il sait que derrière ses ennemis, le véritable ennemi est spirituel. Ephésiens 4,26-27 dit. 4, 26, 27 dit que le soleil ne se couche pas sur votre irritation, ne donnez pas accès au diable. Un chrétien qui ne pardonne pas. Un chrétien, un chrétien qui entretient la rancœur. Un chrétien qui garde l'amertume dans son cœur. C'est un chrétien qui dit Bienvenue dans mon cœur, Satan. Il y a des gens qui ont prié une fois pour que Jésus entre dans leur cœur puis ils permettent à tous les jours. Au diable de rentrer dans leur cœur. La Bible dit que le soleil ne vous, se couche pas sur votre irritation, votre colère, votre frustration, votre amertume. Ne donnez pas accès au diable. C'est vraiment important la manière que tu gères l'offense. Parce que quand tu la gères mal ou tu ne la gères pas, hein, c'est comme si tu vois, tu vois, il y a quelqu'un dans ton quartier qui est considéré comme un voleur notoire. C'est comme si tu vas le voir et tu lui donnes la clé de ta maison. Personne ne ferait ça, mais les chrétiens font ça continuellement. On donne les clés de la maison de notre cœur à Satan. C'est pas pour rien que la Bible parle tellement de relations, de pardon, de faire grâce, parce que c'est fondamental. Donc, notre véritable ennemi spirituel, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nos armes avec lesquelles on combat nos ennemis doivent être spirituelles. Voici ce que dit l'apôtre Paul. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes devant Dieu pour renverser des forteresses. Mon ami, quelles sont tes armes dans la vie quotidienne? Quelles sont tes armes au bureau, dans ta maison, ta famille? Tes... Quelles armes utilises-tu? Tu Lorsque quelqu'un t'attaque, c'est quoi tes armes? Un des films que j'aime beaucoup, c'est Le dernier des samouraïs avec, euh, avec Tom Cruise. Puis, comme le titre l'indique, c'est la fin de la période des samouraïs. Puis il y, y a une guerre finale là-dedans. Il y a quelque chose d'injuste dans la guerre finale où tu vois les samouraïs qui, qui se battent avec des épées. Et de l'autre côté, tu as une armée avec des fusils. Ça ne marche pas, là. Tu peux pas avoir des. Pour répondre à des fusils, tu ne peux pas vaincre des fusées avec des épées. Tu ne vas pas y arriver. Et ce que la Bible dit, c'est que. Le combat est spirituel, mais le problème, c'est qu'on lutte avec des armes charnelles. Quelles sont tes armes quand on t'attaque? La critique, la médisance, est-ce que c'est l'insulte, la mesquinerie, le sarcasme, le dénigrement, l'accusation, est-ce que c'est la colère, l'intimidation? Est-ce que ton arme de prédilection, c'est la manipulation, le boudage, comme on dit au Québec, la bouderie en bon français? Est-ce que c'est l'évitement? Est-ce que c'est l'indifférence? Quand on est venu pour arrêter Jésus, l'apôtre Pierre a pris son épée et a attaqué ceux qui sont venus arrêter Jésus. Puis Jésus a dit, Pierre, range ton épée. Celui qui vit par l'épée va mourir par l'épée. Mon ami, si tu vis par la médisance, tu vas mourir par la médisance. Si tu vis par la rancœur, tu vas mourir dans la rancœur. Si tu vis dans la critique, tu vas mourir dans la critique. Pourquoi? Parce que ces comportements toxiques t'affectent toi d'abord. Et lorsqu'on a compris ça, ça veut dire que le chrétien abandonne sa vengeance à Dieu. J'aime ce que Romains 12 nous dit, Romains 12, 19. Ne vous vengez pas vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit À moi la vengeance, c'est moi qui rétribuerai, dit le Seigneur. Ça veut dire que lorsque le chrétien est attaqué, tu ne veux pas te venger, tu laisses sentre les mains de Dieu. Ah, je l'ai vécu plein de fois. Il y a deux exemples. Un exemple au milieu du travail, puis un exemple dans l'Église. À un moment donné, avant d'être pasteur, je travaillais dans une usine, puis il y avait un superviseur. Lorsque je suis rentré, le patron m'avait dit OK, après tant de tu vas une augmentation, voici tes heures, voici, tu vas travailler de jour, voici, tu vas bon. Voici ton poste. Puis il y avait un superviseur sur lui. Puis lui, était très, très dur avec tout le monde. Puis là, à un moment donné, après ma période de, de probation, je lui ai demandé, je vais le voir pour l'augmentation, puis il dit Non, tu n'auras pas ton augmentation. Pourquoi? Là, c'est comme ça. C'est quelqu'un qui. Moi, je travaillais de jour, évidemment, euh, je commençais à avoir une famille, tout ça. Euh, et là, me déplaçait de soir, sans raison, échanger avec quelqu'un de soir qui voulait travailler de soir, qui ne voulait pas travailler de jour, parce que sa femme était malade. Il mettait de jour de force, puis il m'envoyait de soir. C'est quelqu'un qui, qui nous demandait à la fin de semaine de faire de l'overtime. Puis je disais Bien, on ne peut pas, là, c'est comme on, a travaillé, on travaille fort. Déjà, on a, on a fait 50 heures qu'on travaille, Tu n'as pas le choix, sinon es dehors. Puis après coup, on s'est rendu compte que les grands patrons n'exigeaient pas le surtemps. Quand j'étais voir le grand patron, j'ai eu mon augmentation immédiatement. Finalement, on s'est rendu compte que ce superviseur se prenait comme au Du Québec pour le boss de Bécosses. C'est-à-dire, il voulait démontrer que c'était lui, c'était juste du, du pouvoir, du pouvoir, du pouvoir. Et dans mon cœur, j'avais vraiment le goût de me venger, de le dévoiler, j'avais le goût de... Puis j'ai rien fait. Et pas longtemps après, il s'est fait prendre à faire de la magouille au travail, il a perdu son emploi. Je ne me réjouis pas de ça. Je fais juste dire que le chrétien fait confiance à Dieu de défendre tes intérêts. Ça appartient à Dieu, ça ne t'appartient pas. Ça ne t'appartient pas. Je l'ai vécu également. Je l'ai vécu dans l'Église. Et je donnerai l'exemple dimanche en présentiel, je ne le ferai pas en ligne. Pardonne-moi, je ne le ferai pas en ligne. OK, on continue. Donc, la réalité abandonne ta vengeance à Dieu. Et non seulement abandonne ta vengeance à Dieu, fais du bien à ton ennemi. Celui qui te fait du mal, la Bible te dit de lui faire du bien. Je sais que c'est difficile. Je le sais, je le sais. On a besoin de la grâce de Dieu. Mais regarde ce que dit la parole de Dieu. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il si a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ici, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. La plus grande des vengeances, c'est de faire du bien à celui qui te fait du mal. Tu vas voir comment est-ce qu'il va se sentir. Attends, fais-le pas pour ça. Les motifs sont importants. Eux, les chrétiens, souvent, on sait ce qu'il faut faire, on le fait, mais il y a toujours la petite affaire, la petite parole, le petit geste, comme hein. ah, André Dawson, qu'on connaît bien, qui a joué pour les expos, euh, à un moment donné, euh, il a contesté, il y a l'arbitre qui a dit prise puis non, c'était pas une prise. Puis, et André Dawson s'est chicané, donc avec l'arbitre, et à un point tel qu'il l'a, on l'a, euh, il a eu une amende. Puis il a dû à l'époque, je pense que payer payé dollars. Donc, à l'époque, c'était quand même plus considérable. Donc, on lui a demandé de faire un chèque de 1 dollars à la Ligue. Puis, ce qu'André fait, il a fait un chèque de 1 dollars. Tu sais, en bas du chèque, c'est écrit la raison. Il dit don pour les aveugles. Tu sais, il, fait, il a fait ce qu'il faut faire, mais la petite pointe. On est comme ça, des fois, les chrétiens, ont toujours la, la petite pointe. Non, la Bible dit fais du bien à ton ennemi. Tu connais Les Misérables, Victor Hugo Jean Valjean sort de prison, est un criminel. Maintenant, il y, a, il y a un évêque qui, qui va l'héberger. Et ce que pendant la nuit, Jean Valjean va partir avec toute l'argenterie. Les policiers vont l'arrêter, vont le ramener, voir l'évêque. Voir Et alors qu'il ramène, voici ce que l'évêque va dire. Vous connaissez, vous connaissez le misérable, vous connaissez le, le, le récit, il va dire Ah oh Jean! Ah, oh, tu es revenu, tu oublié de prendre, voici le chandelier que tu oublié de prendre. Il lui donne un chandelier. Et là, il policiers disent Ok, c'est pas un voleur. Il dit, non, non, il dit, on s'est entendu, puis finalement, il devait aller les vendre. On voulait donner ça pour une, une bonne cause. Puis bon, il a oublié le chandelier, puis. Et là, il lui dit à l'oreille, il dit N'oublie pas que je viens de racheter ton âme pour Dieu. Maintenant, est la vie d'un homme honnête. Qu'est-ce qui prend place dans, 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 dans cette histoire-là? C'est que ce croyant, au lieu de donner le mal à celui qui lui a fait du mal, lui fait du bien. Et mon ami, il n'y a rien de plus violent que la grâce. Il n'y a rien de plus transformateur que la grâce. Il n'y a rien de plus puissant que de faire du bien à quelqu'un qui te fait du mal. Et ça, c'est surnaturel. Seulement les chrétiens peuvent le faire, pas parce qu'on est meilleur, parce que nous avons la puissance du Saint-Esprit qui nous permet de faire ce que notre chair ne peut pas faire. Donc, la Bible dit « Fais du bien à ton ennemi. »« Fais grâce comme Dieu te fait grâce. » Éphésiens 4, 31-32. « Que toute amertume, animosité, colère, clameur, calomnie, ainsi que toute méchanceté soit ôtée du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants. Faites-vous grâce réciproquement comme Dieu vous a fait grâce en Christ. » Wow! Jésus donne cette parabole qui... qui qui explique tellement bien c'est quoi la vie chrétienne. Il hein, y a un homme qui, qui doit, dans le texte, là, je, fais les, je le contextualise, qui doit 3 millions de journées de travail. Okay? Donc c'est beaucoup d'argent. Finalement, on l'amène au roi, puis il plaide au roi, non, 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 fais-moi grâce, puis le roi dit, ok, c'est correct que je te fais grâce. Quand cet homme-là, à qui on a pardonné une dette incroyable qu'il ne pourrait jamais payer, va Aller voir son voisin qui lui doit une journée de travail. Donc, je te rappelle, lui a été gracié de, de 300 millions de journées de travail, ou 3 millions, 3 millions, OK? On est dans les millions quand même. 3 millions de journées de travail. Maintenant, il va voir son voisin qui lui doit une journée de travail. Donc, c'est comme si tu es de 10 millions, puis tu vas voir celui qui te doit 10 piastres. Puis il va le voir, puis il lui dit « moi aujourd'hui, puis, puis il l'amène en prison. Puis Jésus va dire, mais non, de la même manière qu'on vous a fait grâce, faites grâce. C'est ce que Paul dit. Les chrétiens, on nous a beaucoup pardonnés. Dieu nous a pardonné. Jésus a payé notre dette, une dette infinie. Alors que notre dette a été payée, pourquoi est-ce qu'on n'est pas en mesure de pardonner? Pourquoi est-ce qu'on n'est pas en mesure d'absorber la dette de ceux qui nous ont offensés? Alors qu'il y a des gens qui... Oui, il y a des gens qui... Puis je comprends qu'il y a des choses difficiles. Je ne veux pas banaliser. Je parle à l'enfant de Dieu qui a reçu la grâce de Dieu. Pourquoi ne pas accorder cette grâce qu'on a reçue? Pourquoi s'accaparer cette grâce et pas la donner? C'est pourquoi la Bible dit Faites grâce comme Dieu t'a fait grâce. Mais voici le défi. C'est que faire grâce, c'est quoi? Ça veut dire pardonner. Pardonne à ceux qui t'ont offensé. Notre Père. Jésus nous enseignait à prier Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi. Écoute bien, à ceux qui nous ont offensés, la première étape, vous savez, il y a beaucoup de chrétiens qui sont, je le dis avec amour, qui sont hypocrites. Vous savez, il y a des, il y a des gens, okay, qui sont offensés. OK, je, je vais dire autrement. Il y a des chrétiens qui sont trop facilement offensés. Il y a des chrétiens qui sont offensés à rien, qui sont offensés souvent. Ça révèle leur immaturité. Un chrétien mature est difficilement offensable. Okay, de un. un chrétien mature est dur à offenser. Pourquoi? Parce que Dieu, il comprend que Dieu lui a tellement fait grâce qu'il a beaucoup de grâce dans son cœur. Donc, il est dur à offenser. Hein, tu ne dois pas le prendre avec des gants blancs. Il y a pas... La maturité, la sanctification, donc, soit ce chrétien qui est dur à offenser. De l'autre côté, il y a un temps où on doit reconnaître que nous sommes offensés. Il y a Des gens qui sont offensés de péché contre toi, mais tu ne reconnais pas. Puis les gens autour de toi te disent Est-ce que ça fait. Non, 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 non. Tu vis dans le déni. Jésus a dit Reconnais l'offense. Ceux qui nous ont offensés, il y a des gens qui t'ont fait du mal, reconnais-le, verbalise-le, ne vis pas dans le déni. Et quand c'est fait, pardonne. La Bible dit Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Wow. La Bible dit qu'on devrait tellement comprendre la grâce que comme un standard, Dieu va nous pardonner en fonction de ce qu'on pardonne aux autres. C'est terrible quand on y pense. Vraiment, là, si Dieu, au bout de la ligne, nous pardonne selon le niveau qu'on pardonne les autres, il n'y aura pas beaucoup de chrétiens au ciel. Et la clé ici, c'est de comprendre que Jésus nous a fait grâce. C'est quoi pardonner? Pardonner, ça ne veut pas dire ne pas être blessé. Ça ne veut pas dire faire comme si rien n'était. Ça veut dire consciemment absorber la dette du péché d'autrui. Ça veut dire quoi? OK, imaginons que tu viens à la maison. Oh, mon épouse et moi, on t'invite. Et euh, arrives, puis bon, t'invites à manger, puis on prend un apéro. Une petite bouteille, on ouvre une petite bouteille de vin rouge. Euh, et là, moi, j'ai un beau fauteuil en suède blanc. Puis là, toi, es tellement excité d'être chez le pasteur là, que, « Oh, merci Gaétan, merci pasteur Gaëtan. puis tu mets du vin partout. Et là, moi, je vois ça, puis je vois ma, mon fauteuil en suède blanc, que j'ai payé, mettons, 4 000 c'est pas vrai, là mais payé 4 000 5 000 là, je suis comme, je vois, est, wow, là, il est taché, là. Mais tout, c'est comme, merci, puis tu t'en vas, OK? Là, j'ai deux choix, OK? Soit qu'à chaque fois que je vois mon fauteuil, je pense à toi, puis je suis ta mère, puis ça va durer longtemps. Pis si j'attends que tu payes, il y a des gens qui vont jamais payer. Il y a des gens qui vont jamais te demander pardon pour le péché qu'on commet envers toi. Tu vas attendre longtemps. Fait que tu as le choix de toujours entretenir l'offense, entretenir l'offense. Mais la chose la plus chrétienne à faire, puis la plus mature, c'est à un moment donné, mon fauteuil, il faut que je passe à d'autres choses. Sais-tu quoi? Je vais le faire nettoyer, je vais le remplacer, je vais payer, mais je passe à d'autres choses. Je vais absorber ton péché. Pardonner, c'est de reconnaître que quelqu'un a une dette envers nous. C'est de reconnaître que quelqu'un fait quelque chose qui mérite réparation mais à un moment donné, là, tu ne peux pas passer ta vie à attendre que la personne vienne se mettre à genoux devant toi en pleurant. Le chrétien, bon, tu n'attends pas que les gens te demandent pardon. Tu pardonnes, as dit, tu payes la dette, tu absorbes, tu dis, voici ce qu'on m'a fait. Tu, sais tu quoi, je vais l'absorber. Je vais remettre ça à Dieu, et je vais passer à d'autres choses. C'est ça, pardonner. La Bible nous dit de pardonner. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. C'est Mark Twain qui dit Le pardon est le parfum de la violette que la violette répand sur le talon qui a écrasé. Et finalement, qu'est-ce que le texte d'Esther nous enseigne Bien, Jésus nous enseigne une meilleure manière de traiter nos ennemis. Mais le message du livre d'Esther, qui est encore vrai pour nous aujourd'hui, c'est Fais confiance à la providence de Dieu. Ça veut dire quoi La providence de Dieu, c'est. Écoute-moi bien, c'est Dieu qui accomplit son plan parfait en gouvernant tous les détails de la vie normale ordinaire. Donc, ça veut dire que Dieu, au travers l'histoire, au travers les personnes, au travers les actions, au travers les circonstances, Dieu a une main, il gouverne, et il accomplit son plan parfait. C'est pourquoi Joseph va dire à ses frères :« Vous aviez formé le projet de me faire du mal, Dieu le transformé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie d'un peuple nombreux. » Ça veut dire que Dieu a utilisé le mal projeté contre Joseph pour accomplir son plan. Dieu a utilisé le mal projeté contre le peuple de Dieu à l'époque d'Esther pour accomplir son plan. Dieu se sert du mal qui est fait à ton égard pour accomplir son plan. Ça ne veut pas dire que Dieu se réjouit de l'outrage ou de l'offense qu'on te fait. Ça veut juste dire que Dieu est souverain sur l'outrage qu'on te fait. Et tu as besoin de voir dans le Livre de Stars, il n'y a pas de miracle, il n'y a pas de révélation, mais tu vois la providence. Et c'est ça la providence. Des fois, on dit, mais je ne vois pas Dieu agir, je ne vois pas de miracle, je n'ai pas de parole de Dieu, je n'ai pas ci, je n'ai pas ça. La providence, c'est la main de Dieu dans la vie ordinaire, le contrôle de Dieu dans la vie ordinaire. Exemple, j'ai entendu le témoignage d'un papa qui euh, arrive avec son enfant à l'église un dimanche, la télévision est brisée. En retournant sur le chemin du retour, L'enfant dit, mais papa, moi je veux écouter mon émission en arrivant. Le père dit, oui, mais tu sais que ça ne fonctionne pas parce que la télévision est brisée, il faut que le, le, le monsieur du câble vienne. Puis bon, on a appelé vendredi, puis fin de semaine, ça me surprendrait qu'il vienne un dimanche, puis même s'il est venu ce matin. On est à l'église, on n'est pas là, donc c'est sûr qu'il n'y aura pas, de, pas tu ne pourras pas écouter ton émission aujourd'hui. Puis le petit garçon dit, oui, mais on, on m'a appris à l'église, on apprend aujourd'hui de, de prier, puis Dieu entend nos besoins, puis Dieu prend soin de nous. puis Et là, le Père est un peu ambivalent, parce que d'un côté, il se dit, oui, mais <laughs> je veux pas, il y a une prière, c'est clair que ça ne fonctionnera pas, donc je veux pas décevoir mon, mon enfant. De l'autre, il veut lui apprendre à faire confiance à Dieu. Donc, le Père met le, le, le véhicule sur le côté, puis prie, il dit, bon, Seigneur, on, on prie. Puis le petit garçon dit, Seigneur, moi, je vais écouter mon émission de télévision aujourd'hui, puis je te prie que la télévision fonctionne. Là, le père dit ouais, mais c'est parce que <laughs> il les doute hein le gars du ne viendra pas un dimanche même s'il vient il y a personne à la maison donc il est reparti. Lorsqu'il arrive, le père va stationner la voiture dans le garage, le fils se dépêche d'aller à la maison. Le père arrive dans le salon, son enfant est en train d'écouter son émission. Là, le père comprend pas qu'est-ce qui se passe Et là à un moment donné, il y, y a un ami de la famille qui descend. Il dit qu qu'est-ce tu es là Il dit ben dit je t'envoie, justement, il y a une escale ici. Je suis arrivé, puis je savais que tu avais mis une clé là, fait que je suis rentré. Puis en arrivant, le gars du câble est arrivé, puis il m'a dit que tu avais eu un câble pour réparer, fait que ouvert, il a réparé. Le... Tu vois, ça, c'est la providence de Dieu. Dieu gouverne tous les détails de la vie ordinaire. Il le fait dans ta vie, il le fait dans la Bible, il va toujours le faire. Fais confiance à la providence de Dieu. Et je termine. Le texte qu'on a vu, où on voit que Dieu, il y a un retournement du plan des ennemis contre le peuple de Dieu. La Bible parle et Paul parle dans Philippiens 3,18, de ceux qui sont ennemis de la croix de Jésus. Vous savez, hein, aujourd'hui, il y a beaucoup d'ennemis de la croix de Jésus. Euh, cette fin de semaine, on, il y a des reportages dans les journaux, comme quoi des journalistes s'infiltrent dans les églises. Donc, euh, pour voir, puis ils se disent bon, mais. Ben, euh, ils veulent savoir, est-ce qu'on fait des thérapies de conversion? Ils arrivent. Disent, là, ils vont voir, mettons, le pasteur, les autres le pasteur dit Moi, je suis homosexuel, je veux m'en sortir, est-ce que vous avez. Est-ce que vous avez d'une thérapie pour moi? Que... Et là, on, on veut prendre les églises en défaut. En passant, parenthèse, OK? On ne fait pas de thérapie de conversion au terre. Et dans toutes les églises avec lesquelles on oeuvre, a, je ne connais pas d'église qui fait de thérapie de conversion. Je ne dis pas que ça n'existe pas. Je dis juste que dans les églises qui ont de l'allure, qui prêchent la Bible, ça n'existe pas. Pourquoi? Hey, j'ai de la misère à faire changer les gens de place le dimanche. Je n'ai pas le pouvoir de changer d'orientation sexuelle, okay? Maintenant, c'est clair. Nos convictions sont claires sur l'éthique sexuelle. Qu'est-ce que la Bible enseigne? Nos convictions sont claires sur la liberté de conscience de chacun. Nos convictions sont claires sur la grâce. Nos convictions sont très claires. Donc. Mais mon point, c'est pas ça. Mon point, c'est qu'on ne viendra pas voir tout le bien qui est fait lorsque les gens sont nourris. Avec Cap, on ne viendra pas voir comment les vendredis, où tu as des centaines de jeunes qui trouvent un sens à leur vie, on ne viendra pas voir des couples restaurants, on ne viendra pas voir des aînés qui sont isolés, puis tout à coup, ils ont trouvé une famille, une communauté. On ne viendra pas voir des gens dont leur vie était dans les ténèbres, était toute brisée, que Jésus a restaurée. Vous savez, on veut prendre en défaut. Il y a des ennemis de la croix de Jésus. Donc, où le but, c'est juste de prendre en défaut. Euh, la Bible dit, même Jésus a dit, des fois, il y a des les gens de ta maison, il dit même, il y a des gens de votre maison qui seront ennemis, il y a des gens dans ta maison qui sont des ennemis de la croix. C'est difficile. Tu ne sais pas comment délire avec ça. Cette semaine, je suis dans mon bureau à l'étage. Je suis, je suis là, puis à un moment donné, c'est à peu près 18h30 le soir, je vois une voiture arriver. La voiture se met dans ce sens-là, puis je vois un homme qui sort, prend un tapis, met le tapis en direction de l'est, se prosterne, et commence à prier. Puis je me rends compte que c'est un musulman qui vient faire sa prière en direction... De la Mecque dans le stationnement de l'église de Portail. Comme... Tu peux pas faire ça. C'est comme si tu vas. C'est comme si tu arrives avec ton sac de McDonald's, Big Mac puis tu vas manger chez Harvey. C'est comme. Tu... tu peux pas faire ça. Ah, ou encore, tu t'en vas manger, vas manger du poulet dans le stationnement d'un restaurant végétarien. C'est comme. Puis j'ai parlé avec des, 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 des frères et des sœurs qui sont, qui étaient dans, dans l'islam, qui ont grandi dans l'islam. Puis on me dit même probablement un geste de défiance parce que c'est un lieu considéré comme un lieu impur, donc il y a comme une, un genre de provocation, de combat spirituel. Puis, puis là, j'étais là, puis je te dis ce que j'ai fait. Puis là, là, dans ma tête, ça se bousculait, je disais, OK, c'est quand cool, même, mais, mais en même temps, tu ne peux pas faire ça, tu ne peux pas prier un autre que Jésus dans mon stationnement. Et là, je me dis, est-ce que je descends, tu sais, est-ce que je fais quoi? Puis, puis Finalement, j'ai fait ce que Jésus a dit. Je l'ai béni, j'ai prié pour lui, parce que lui, il ne sait pas. Que ce soit en défiance ou pas, il ne sait pas qu'il y a un Jésus beaucoup plus grand que tout ce qu'il peut penser et imaginer. Et peu importe les gens autour de toi, peu importe que ce soit à un niveau individuel ou en tant qu'Église, oui, il y aura des ennemis, des ennemis de la croix, des ennemis de la bonne nouvelle de la grâce, des ennemis de la foi, des ennemis du christianisme. Mais ce que le chrétien est appelé de faire, c'est quoi? Nous allons prier pour nos ennemis, nous allons bénir nos ennemis, nous allons faire du bien à nos ennemis. Parce que c'est ça que Dieu honore. Et c'est ça que Jésus nous demande de faire. Et si tu es à la maison, tu as le droit de dire un gros ⁇ Amen ⁇ Donc, en conclusion, un Dieu pour ce temps comme celui-ci, un Dieu pour ce temps de non-pardon, non dans une culture qui ne pardonne pas facilement, qui ne connaît pas la puissance de la grâce. Le peuple de Dieu, nous avons un Dieu qui nous donne par le Saint-Esprit la puissance d'aimer, de faire du bien, de bénir nos ennemis, de prier pour nos ennemis, qui nous donne la capacité de faire grâce alors que notre chair ne veut pas, le Saint-Esprit à l'intérieur de nous, nous donne. Donc soyons ce peuple de Dieu qui bénit plutôt que maudire à la gloire de Jésus. C'est la parole de Dieu pour aujourd'hui. Si vous souhaitez en savoir plus sur Jésus, sur la Bible, sur l'Église, ou même si vous vivez des défis particuliers et que vous souhaitez avoir un accompagnement pastoral, écrivez-nous à info et on communiquera avec vous le plus rapidement possible. En terminant, merci de votre soutien envers l'Église de Portail. Euh, cela nous permet de poursuivre notre mission qui est d'aider tout le monde à découvrir que tout a toujours rapport avec Jésus. Vous pouvez faire un don via euh, votre institution financière ou en nous écrivant à don au pluriel, église de portailcom Au nom de toute notre équipe, passez une excellente journée, une excellente semaine.